Les vies sont comme des rivières. Elles vont là où elles veulent et non là où on voudrait qu'elles aillent. La vie et la mort sont identiques. Nous mourons pour revivre par la réincarnation. Nous sommes la fraternité unie, dit Kengra. Nous ne mourrons pas. Nous vivons pour toujours. Chief Ibeto ici présent. S'en est allé. Mais nous savons tous qu'il vit pour toujours. Ton père a payé le prix ultime pour que tu sois ici. Et en 150 ans, cette confrérie est restée forte. Aucune autre femme n'avait jamais été admise ici. Mais ton père t'a tellement aimé qu'il a payé le prix fort pour que tu sois l'une des nôtres. Ton père reste un grand homme. Il doit donc être honoré. Ne jamais dire du mal de ton père. Mais mettant dans la mort, il reste un grand homme. Ton père a fait le sacrifice pour que tu deviennes l'une des nôtres. Prends sa place et sa fortune. Te sera transféré immédiatement. Es-tu prête?
Tu as 3 mois pour être enceinte de ton mari. Ensuite, tu viendras ici. Et si cela est confirmé que tu portes un enfant mâle qui te succédera, alors ce sera chose faite. Ce sera la dernière demeure de ton père. À partir de maintenant, personne n'est autorisé d'entrer ici, sauf toi. Tu n'auras pas accès à la fortune de ton père tant que tu n'auras pas satisfait à nos exigences. Oh.
Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es sorti depuis hier et tu n'as même pas donné des nouvelles de toi. Allez, voyons, mais j'étais inquiet. La moindre des choses aurait été que tu m'appelles pour me faire savoir ce qui se... Adam, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Tu as 3 mois pour être enceinte de ton mari. Puis tu viendras ici. Si cela est confirmé qu'effectivement, que tu portes un enfant mâle qui te remplacera, alors ce sera chose faite. Mon amour. Comment tu vas? Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Allez, viens. Ah! Tu n'auras aucun accès à la fortune de ton père tant que tu n'auras pas satisfait à nos exigences. Bonsoir à vous. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, mère. Mais que se passe-t-il? Comment est-ce que ton mari va? Il va bien. J'insiste. Amenons-le à l'hôpital. S'il te plaît. Non, mère. Tout est déjà sous contrôle.
Adania, que se passe-t-il, non? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hier, tu es allée avec ces hommes et tu n'es jamais revenue. Tu n'es plus la même. Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas me dire ou quoi? Parle-moi. Mère, j'avais beaucoup de choses en tête. Alors j'ai décidé de passer la nuit chez une de mes amies. Es-tu sûre? Oui, mère. Adania, regarde-moi dans les yeux. Écoute, écoute-moi bien. Reste loin de ces gens. Et sois prudente. Sois très très prudente. Ils ne sont pas bien. D'accord, mère. Plus tard, j'appellerai l'avocat de ton père pour qu'il vienne lire le testament. Donc, rassure-toi d'être là. D'accord, mère. Tu n'auras aucun accès à la fortune de ton père tant que tu n'auras pas satisfait à nos exigences. Grande sœur, tu vas bien? Grande sœur, tu vas bien? Oui, Adania, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que c'est? Je vais bien. Bien? Si tu le dis. L'avocat ne viendra pas. Que viens-tu de dire? Oublie ce que j'ai dit. L'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. L'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. L'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez appeler ultérieurement. L'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. L'abonné que vous appelez n'est pas disponible. C'est choquant. C'est choquant! C'est choquant! Adania. Biamoukem, que se passe-t-il? Vous m'avez demandé de coucher avec mon mari pour que je tombe enceinte. Dès que je l'ai touché, il est devenu fou. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que tu as fait tout ce qui t'a été demandé? J'ai suivi toutes les instructions qui m'ont été données par le grand maître. Tu dois absolument voir le grand maître. Oh,
Chers membres, tu peux maintenant présenter ton cas devant le grand maître. Je ne comprends rien du tout. Chaque fois que j'essaie de coucher avec mon mari, il devient fou. Que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Notre Seigneur a porté un intérêt particulier sur ton mari. Et ça reste ainsi. Mais il était censé me mettre enceinte. Comment peut-il le faire dans cette condition? Personne ne questionne notre Seigneur. La situation reste la même. Que dois-je faire? Je ne veux pas perdre la fortune de mon père. N'y a-t-il pas une autre option? S'il vous plaît, grand maître, faites quelque chose. Aidez-moi. Il y a une option. Oui, ma puce. Je suis très excitée. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour toi. Pour moi? Oh oui. Que fait ton nom, enfant? Oh, ça, tu le découvriras bientôt. Où est maman? Elle se trouve dans le deuxième salon. Allons-y. D'accord. Hey, j'ai tellement hâte de découvrir ce que c'est. Je suis déjà prête. Et c'est toi que j'attends. Ah, ok, c'est bien. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Merci. Bonsoir, mère. Oh, mon Dieu. Pourquoi es-tu si heureuse? Et nous célébrons l'anniversaire de qui? Oh, mère. Nous ne devons pas avoir d'anniversaire avant de pouvoir fêter. Oh, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que je viens d'obtenir un contrat. Quelle somme d'argent? De la part des candidats au poste du gouverneur du PPL. Ah! Quoi? Vraiment? Pour rénover tous les bâtiments de la campagne dans les États. Es-tu sérieuse? Oui, mère. Oh, wow. Génial. C'est vraiment génial. Mère, l'argent est énorme. Super! Eh bien, je recevrai donc cet argent d'ici demain matin. Oh, si vite? Oui, mère. Et la première chose que je ferai avec, c'est de planifier le mariage de Victoria. Wow. Vraiment? Oh mon Dieu, mère, as-tu entendu ça? J'ai entendu. Merci. Je t'en prie. Ne penses-tu pas que c'est si pressé? Non, mère, il n'y a pas de temps. Victoria a atteint l'âge. En fait, c'est le bon moment pour qu'elle commence à avoir ses propres enfants. En tout cas, c'est l'une des dernières volontés de papa. Mais mon père ne me l'avait jamais dit. Est-ce important? Il me l'a dit à moi parce que je suis son premier enfant. D'accord. Lorsque tu seras mariée et enceinte,
je vais acheter deux nouvelles voitures de marque. Une pour toi et l'autre pour Williams. Tu plaisantes. Oh, maman, tu as entendu ça? Merci beaucoup. Oh, Adèle, merci. Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Avant de couper le gâteau, il faudra que tu dises à Williams de ne pas s'inquiéter pour l'argent. S'il n'a pas d'argent pour organiser votre mariage, moi, première fille de Chief et Beto, je suis à la hauteur de la tâche. Je vais gérer ça. Oh mon Dieu, grande sœur, merci beaucoup, merci. Maintenant, tu peux découvrir le gâteau et le couper. Oh mon Dieu. Et dis à Williams de préparer son retour. Pas de temps à perdre. Oh, merci beaucoup, grande sœur. Je suis tellement heureuse, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Chaque jour est un anniversaire. Est mort et s'en est allé pour toujours. Il me manque. Père me manque. Je sais. J'aurais souhaité que la mort soit rachetée. Mais Dieu seul sait ce qu'il y a de mieux. Écoute, ne pleurons pas comme... des personnes sans foi. Adania, ton père est mort. Père n'est pas mort. Il vit en moi. Ça va aller, ma fille. Il semble que tu sors. Oui, une amie à moi m'a demandé de garder... son nouveau-né. Jusqu'à ce que... C'est exactement la raison pour laquelle j'ai dit à Victoria de tomber enceinte. Où est Salé? Il n'y a pas de ton mère. Adania, calme-toi. Détends-toi. Elle le fera certainement. Il n'y a pas de temps. Je sais. Elle le fera certainement. Juste calme-toi. Adania, s'il te plaît, calme-toi, ok? Ok, laisse-moi partir. Je serai de retour bientôt, ok? Adania, tu vas bien? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Je vais bien. Reste et demeure en grand homme.
La vie et la mort sont identiques. Là-haut, tu veilles sur nous. Père, facilite-moi la tâche. S'il te plaît. Pasteur, j'ai toujours su que mon mari appartenait à une confrérie. Oui, vous me l'avez dit avant. J'ai essayé de le dissuader, mais il ne m'écoutait pas. Alors, je l'ai simplement ignoré et je me suis accrochée à Dieu. Maintenant qu'il est parti, je pensais que tout se terminerait avec lui. Mais je ne sais pas. D'après le peu que vous m'avez dit sur la secte, il n'initie que le fils, n'est-ce pas? Oui. Mais je vois ma fille cheminer avec eux. Adania a totalement changé. J'ai peur. Je n'en sais plus. Eh bien, madame, vous ne le saviez peut-être pas, mais le Seigneur le sait. Écoutez, madame. Nous devons rester vigilants et prier pour avoir le dessus et vaincre l'ennemi. Vous n'avez pas à avoir peur. C'est le moment où vos enfants ont le plus besoin de vous. Le Seigneur dit que nous devons l'évoquer en tout temps et en tout lieu. Et il nous répondra. Vous devez continuer de prier pour votre fille fervemment. C'est très important. Et aussi lui faire comprendre les dangers de s'associer à un tel groupe occulte. N'ayez pas peur, madame. Le Seigneur sera toujours avec vous. Amen. Tout ira bien au nom de Jésus. Amen. Prions, madame. Prions. Donnez-moi vos mains. Venez et prions. Éternel Dieu, nous te remercions pour ce moment. Tu vois, ça paraît difficile au début. Mais avec le temps, ça finit par passer. Ma mission ne peut-elle pas être facile? Ce n'est jamais facile, ma chère. C'est plutôt très difficile. Mais c'est réalisable. Oui, ça l'est. S'il vous plaît, une minute, je prends cet appel. Oui, allô? Oui, bonjour, mon frère. Oh, vraiment? D'accord. Oui, c'est une bonne nouvelle. Merci pour cette mise au point. Oui, je te reviens. Oui. D'accord. D'accord. Super. Super. Le projet ferroviaire vient d'être approuvé. C'est vraiment un projet énorme. Ouais. Génial, c'est vraiment un très gros deal. Un très gros deal. Grande somme d'argent. Tu vois comment l'entreprise tu vois de ton père est partenaire du projet. Waouh! Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ouvre les portes. Oui, tu peux le redire. D'accord, c'est quoi la suite? Quand est-ce que nous commençons? Tu n'en feras pas du tout partie. Jusqu'à ce que tu remplisses les conditions. Docteur Georges. Ah, madame. Contente de vous voir. Ah, heureux de vous revoir aussi. Oh, content de vous voir. Écoutez, madame, je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment. Hein? Ça va aller. Vous êtes les bienvenus.
Bienvenue. Une fois de plus, acceptez mes sincères condoléances, hein? Ah, ça me touche autant que vous aussi. Ah. Beto. Ah. Odogu. Obwakataka. Okemo. Okemo. Wadike. Madiba. Owelingo. Madiba. Écoute, ça va aller, hein? Ça va aller. Écoute, je serai là pour vous et ce, tout le temps. 24 heures sur 24. Tout ce dont vous aurez besoin. Faites-moi juste savoir. D'accord? Ok. D'accord, tout ira monsieur. Bien, tout ira bien. Merci. Vous serez très bien entouré, ok? Merci. Et je monte dans ma chambre maintenant. Ouais, bien sûr. Merci. Merci encore. Prends soin je de toi. Je vais vous laisser. Ça va aller, madame. Il est temps de s'en aller. Bonne chance. Honnêtement, maman, je suis inquiète. Grande sœur Adania a changé. Je veux dire, depuis la mort de papa, elle est devenue une personne complètement différente. Tu as tout à fait raison, ma chère. Tu as raison. Maman, je sais que mon père était membre d'une confrérie que tu ne soutenais absolument pas. Mais à présent, ma peur est qu'il l'ait peut-être initié, grande sœur Adania. C'est de ça dont j'ai peur. Eh bien, ce que je connais de ces sectes, c'est qu'ils n'initient pas les femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, ma fille. Son mari a des problèmes mentaux. Mais elle semble ne pas s'en soucier. Et elle dit pas d'hôpital. Et aussi, elle me met la pression de me marier et d'avoir des enfants. Ah, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas aussi. Mais restons dans la prière. Le Seigneur est notre forteresse. Amen, oh. Amen, oh, mama. Amen. Ok. Ça va aller. Grande sœur, bon après-midi. Bon après-midi. Mère, bon après-midi. Bon après-midi, Adania. Comment tu vas? Victoria, as-tu dit à ton fiancé de venir à la maison? Non, pas encore. Pourquoi? Je t'ai dit qu'il n'y a pas de temps. Obéis à la dernière volonté de papa. Adania. Mère. Calme-toi. Vas-y doucement avec elle. Tu leur mets la pression. N'oublie pas que ce sont des adultes.
Ok. Puis-je avoir son numéro pour au moins lui parler? Oh, Adonia. Non, grande sœur. Pourquoi? Parce que je lui parlerai quand je serai prête. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion de l'Esprit-Saint demeurent en moi, maintenant et pour toujours. Amen. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Amen. Mmh.
Oui, Tiff. Bonjour, maman. Bonjour, Victoria. Comment tu vas? Je vais bien. Maman, as-tu vu mon téléphone quelque part? Ton téléphone? Non. C'est quand la dernière fois que tu l'as utilisé? Je l'ai utilisé hier nuit dans ma chambre, j'en suis très sûre. Es-tu sûre de l'avoir fouillé dans ta chambre? Maman, j'ai saccagé partout. Je ne le trouve nulle part. Alors, demande à Dania et Kaït. C'est sûr qu'elles le trouveront. D'accord. Je sors. D'accord, maman. Bye. Bonjour, grande sœur. Bonjour. Grande sœur, s'il te plaît, as-tu par hasard vu mon téléphone? Le téléphone? Yeah. Non, je ne l'ai pas du tout vu. Je ne le trouve pas. As-tu fouillé dans ta chambre? Grande sœur, j'ai saccagé ma chambre, je l'ai retournée, j'ai fouillé toutes les chambres de cette maison, sauf la tienne. Je ne l'ai toujours pas retrouvée. Tu sais que cette maison est très grande. Continue de chercher, d'accord? Tu vas trouver ton téléphone. Fouille juste partout. Maman, ça fait 2 jours. Hein? 2 jours. Je suis à la recherche de mon téléphone et personne ne fait rien pour m'aider. Tu te plains trop. C'est juste un téléphone. Maman, hein? Tu dis juste un téléphone? Juste un téléphone. Maman, j'ai des fichiers très importants dedans. Tous mes projets sont dans ce téléphone. Et je n'ai pas parlé à mon bébé depuis 2 jours. Hein? Maman, vous savez qu'il est difficile d'obtenir des cartes SIM pour ce téléphone. J'ai besoin de mon téléphone. C'est ça ton problème? Maman, j'ai besoin de mon téléphone. Maman, je ne lui ai pas parlé depuis 2 jours. Mon bébé me manque tellement. Je veux mon téléphone. Comment retrouve mon téléphone? Non! Et mes fichiers, tous mes projets qui y sont. Que veux-tu que je fasse? Que vais-je faire maintenant? D'accord, ne t'inquiète pas, tu vas parler à ton bébé. Juste calme-toi, ok? Juste calme-toi, s'il vous plaît. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, Kaït. Comment tu vas? Je vais bien, merci, madame. Tata Victoria, bon après-midi. Elle te parle. Tata, j'ai de bonnes nouvelles. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Tata Victoria? Oh. Et je sais que depuis 2 jours maintenant, vous n'êtes pas heureuse. Je connais le problème. Et j'ai la solution. Merci. Oui. Je t'ai dit, calme-toi. Elle a retrouvé ton téléphone. Tu vas apprécier. Oui. Tu es vraiment pleine d'intelligence. Aïe. Écoutez, la solution, c'est ma nourriture. Aïe, Tata Victoria. Si vous voyez, j'ai pris mon temps aller au marché. Acheter des choses pour désinfecter les mains. C'est désinfectant pour les mains. Si vous voyez comment j'ai préparé cette nourriture, Tata Victoria, il n'y a pas de raison pour que vous n'aimiez pas cette nourriture. Tu n'es qu'une idiote. Espèce d'idiote. Tu n'es qu'un être humain stupide. Maman, regarde cette espèce idiote. Je parle de mon téléphone et toi, tu me parles de nourriture. Es-tu idiote? Mais arrête, Victoria. Maman, laisse-moi tranquille. Calme-toi. Va manger. Maman, je n'ai pas faim. Victoria, viens manger et après on cherchera ton téléphone. Mais cette fille est troll. Et Kaït. Like the river, it goes to your throat, brought to your mind.
Ada? Bonjour. Bonjour, Ada. Où est-ce que ma femme est-elle hospitalisée? William, calme-toi. Ne pleure pas plus que celui qui est endeuillé. Brought out of the ganga, die to live again. Brought out of the ganga, brought out of the ganga. Life is like a river, it goes to the other way, not to the other way. Devine que nous avons là. Tu ne m'as pas dit que tu venais ici. Tu voulais me faire une surprise? Pardon? Quoi? Tu m'as écrit en me disant de venir parce que t'es très malade. Allez, je n'ai pas fait ça. Je vais dire, j'ai perdu mon téléphone il y a 2 jours maintenant. Bébé, pardon? Mais non. Tu m'as même dit que ta sœur payera mon billet d'avion. Et tu as insisté que tu étais très très malade. Je ne sais pas, que se passe-t-il? Ma sœur? Oui, ta sœur. Non, non. Je ne comprends pas. Oh, wow. Mais maman. Bonjour, maman. Bon après-midi, comment tu vas, William? Très bien, maman. Regarde-toi, ça fait longtemps. Oui, vraiment très longtemps. Tu es beau. Assieds-toi. Merci. Regarde-la. Je peux le voir. Remercie Dieu pour ton sourire. Alors, oui. Désolée. Alors, William, désolée. Comment vont tes parents? Tout le monde va bien. Ils se portent bien. Je peux le voir. Tu es tout beau. Merci. Très élégant. Maman, désolée pour ma longue absence. Oh, William, sujet pour un autre jour. Oublions. Alors, dis-moi. Quoi? Tu es heureuse maintenant parce que ton bébé maman, est là. Maman, je suis très heureuse. Bonsoir, ma. Bonsoir. Comment tu vas, Ikaye? Bonsoir, ma. Je vais bien, ma. Oui, merci, merci. Chai. Hey, désolée. Ma, tata Adania demande de venir vous informer qu'elle va organiser un dîner de bienvenue pour tonton William. Oh, wow. Elle a demandé que je dise à tout le monde d'aller à l'étage, de se rafraîchir, de se charger, de descendre et que nous allons faire des photos choupes. Et que tout ça sera dans les réseaux sociaux. Tu es sérieuse? Madame, vous savez que j'aime ça. Allez, c'est bon, on a compris. Merci. Bienvenue, monsieur. C'est drôle, cette fille, ne t'occupe pas d'elle. Oh, je comprends, maman. Tu sais. Merci beaucoup, maman. Mm-hmm. Merci. Victoria. Maman? Heureuse. Et subitement, ta fiancée retrouve le goût de la nourriture. Elle a subitement faim. Du poulet. Allez, tiens, ma chérie. She challenged your mind's spirit. She's made of faith. Oh, make a man. Maman, tu te régales? Oh oui, c'est très délicieux. Je vois la cipide. Arrête de la déranger. Maman, c'est très délicieux.
C'est vraiment délicieux. Je suis jalouse. Nourris-la. Oui, nourris-la. Adam. Vous devez le faire le plus souvent, d'accord? Ouais, bien sûr. Ça ravivera votre amour. Je veux être là. Là, là. Je me demande. Demande. Je me demande vraiment. Qui es-tu? Porte-toi. Je tombe encore. Demande. Je me demande. Demande. À cet endroit si spécial qu'on ne peut décrire. Ouh. Je veux être là. Là. Je veux être là. Je suis amoureuse de toi. Amour, toi. On y est pour n'y mais nous. Vous n'allez pas me tuer. Oh mon Dieu. C'est très génial. Ah. Ouais. Ah, Seigneur, merci beaucoup pour ce. Il est sourd. Pourquoi le veux-tu? Adania, hein? Tu nous as bien gâtés. Vas-y. Une soirée vraiment mémorable. Ta sœur cadette a un fiancé. Tout ce que tu as à faire, c'est de le faire entrer à la maison. Quand il y sera, emmène-le dans notre temple. Je suis prête. Alors, vous pouvez venir. Thank you.
Bébé, perdre ton boulot n'est pas la fin du monde. Et même perdre notre maison ne l'est pas. S'il te plaît, tu dois te ressaisir. Au moins, tu as encore ta vie, ce qui est le plus important. Nous pouvons aménager dans la maison de mon père. Oui. Elle est assez grande pour accueillir jusqu'à 5 familles.
Mon amour. Écoute, je te remercie infiniment pour ces mots d'amour. Je vais travailler durement comme un homme. Et je trouverai un autre boulot. Je prendrai soin de toi. Nous aurons une famille incroyable. Avec beaucoup d'enfants. Eh bien, c'est l'idée. Oui. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime. Oh, ma tête. Ma tête. Bébé. Bébé. Debout. Que faisons-nous ici? Comment sommes-nous arrivés là? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on a probablement beaucoup trop bu. Tu vas bien? Ma tête. Oh, désolée. Je te donnerai des médicaments plus tard, d'accord? D'accord. Tu m'as manqué. Tu m'as plus manqué. Je suis si heureuse que tu sois là. Sérieusement, sérieusement. Aucun membre de ma famille ne sait que je suis dans ce pays. Alors tu devrais appeler maman. Ou ne veux-tu pas que quelqu'un sache que tu es dans le coin? Chérie, franchement parlant, je suis toujours confus.
ta sœur. Ta sœur. William. Je te l'ai dit, oublie tout ça. Hmm? Et aussi, pardonne à ma sœur, s'il te plaît, ok? Que puis-je faire? Je lui ai déjà pardonné. Mais non, je continue à avoir ce sentiment que tu en fais partie. Moi? Mais comment? Ah, mon amour, tu devrais mieux me connaître que ça. Tu sais que je ne pourrai jamais faire quelque chose qui compromettrait ton avenir. Mais tu continues à la défendre comme si toutes les deux vous avez planifié ce coup. Tout simplement parce que le fait est fait. Et c'est ma grande sœur. D'ailleurs, tu es là et je suis heureuse. Ta sœur? Je me demande toujours pourquoi ta sœur m'a piégé à la maison. Bon après-midi, père. Comment ça s'est passé? Je sais que tu as postulé pour l'appel d'offres du gouvernement fédéral. Je connais tous tes mouvements. Je suis ton père. Père. J'ai rempli toutes les conditions requises. Et pourtant, j'ai été disqualifiée. Quelle est la raison de cette disqualification? Je ne sais pas, père. Dans la vie, on apprend plus des échecs que des succès. Ne te laisse pas abattre. L'échec bâtit le caractère. Père, c'est ce que tu ne cesses de dire. Pourquoi aller d'échec en échec quand j'ai un homme comme toi? Un père avec beaucoup de relations et de business. Pourtant, il ne peut rien céder à sa fille. Père, pourquoi? Pourquoi me laisses-tu souffrir? Père, pourquoi? Pourquoi? Mes mains sont liées. C'est ce que tu ne cesses de me dire. Je déteste te voir souffrir, ma fille. Ça me blesse profondément. Mais comme j'ai dit, mes mains sont liées. S'il te plaît, père. S'il te plaît. Père, mon avenir est entre tes mains. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, père. S'il te plaît. Père, s'il te plaît. Père, s'il te plaît. Ça ne ressemble pas à Willy. Willy, mon fils, ça ne lui ressemble pas. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? 2 semaines déjà que nous sommes sans nouvelles. Mais que se passe-t-il? Maman, hey! J'espère qu'il va bien. Hey! J'espère que ça va. J'espère également, oh. J'espère qu'il va bien, oh. Hey! Depuis qu'il s'est rendu en Amérique,
Il n'est pas resté comme ça, sans m'appeler. C'est vraiment... 2-3 jours, il m'appelle. Que se passe-t-il encore? Hein? Ok. Que se passe-t-il encore? Maman, que se passe-t-il avec mon fils? Maman, calme-toi. Hey. Attends, j'appelle son numéro d'Amérique. Calme-toi. Oh. Dieu. Ok. Attends que j'appelle. Ok, essaie encore. Nous verrons. Ah! Ah, ah, il n'est pas connecté. Ah, il n'est pas connecté. Je l'ai essayé. Ça n'a pas passé. Hey! Il ne l'a jamais fait. Ceci est louche. Ceci est louche. Qu'est-ce qui ne va pas? Hey? Ah, ah. Je n'aime pas ce pressentiment. Je n'aime pas ce pressentiment. Oh, bah, je n'aime pas ça. Je sens que quelque chose ne va pas avec mon fils. Quelque chose ne va pas avec William. Willy, mon fils, quelque chose ne va pas avec lui. Maman, calme-toi, ici, on est d'accord. Udoka. Un moment. Hey. Essayons encore, maman. Hey. Hey. Mon Dieu, oh. Oh, oh. Mon petit garçon. Mon petit garçon, oh. Ah, maman. Où est-il? Où est-il? Qu'ont-il fait, mon petit garçon? Maman. Oh, Willy, chérie, est où? Tu sais quoi? Oh, maman? Dieu. Insistons juste, il pourra se connecter. Comment? Comment? Essayez. Son numéro ne passe pas depuis combien de jours maintenant? Hein? C'est là que je suis confuse. Oh, ce n'est jamais arrivé. Dieu. Dieu. Quelque chose ne va pas avec Willy. Quelque chose ne va pas avec mon fils. Il y a quelque chose qui se passe. Tu me tues là. Je te dis. Quoi? Imagine-moi, Nigérian d'origine. Il pensait que je ne savais pas ce que je faisais, parce que j'étais nouveau. Il m'utilisait, et je les regardais. Je les observais, et j'y allais progressivement. J'élaborais mon plan, et je prenais mon temps. Je les observais, et j'agissais comme si je ne savais pas ce que je faisais. Et avant qu'ils le sachent, bac, j'ai frappé. Ton mec a frappé. Je te fais confiance. Un Nigérian d'origine comme moi, ils ne m'ont pas vu venir. Je te fais confiance. Waouh. Je te dis. Je suis si fière de toi. Vraiment? Petit futé. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'aime énormément. William, s'il te plaît, hein, ça fait une semaine et tu n'as pas encore vu maman. Je pense que tu devrais aller la voir. Je te mets mal à l'aise. Bah, tu as arrêté ça. Ah ah, ne dis pas ça. Écoute, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste. Ça fait une semaine, allez. C'est d'accord, si tu le dis. Ouais. Je vais aller la voir. Peut-être je vais y aller, même maintenant. Vraiment? Tu ne vas nulle part. Tu nous appartiens maintenant. Fais comme il t'a été ordonné. Entrez, la porte est ouverte. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment tu vas? Monsieur, je viens vous dire que votre repas est prêt. Votre repas est servi à la salle à manger. C'est compris, je serai là dans un moment. Merci. D'accord, monsieur, je vous en prie. Dois-je lui dire? Dois-je l'informer à propos de madame? Va-t-il me croire?
Aïe. Je ne sais pas. Hey, toi, je lui dis. Hey, il doit savoir. Et Kaïté? Hey, monsieur. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Monsieur, quelque chose que j'aimerais discuter avec vous. Très bien, je t'écoute. C'est à propos de madame. Ma femme? Oui, monsieur. Qu'a-t-elle fait? Madame est quoi? Madame est une très bonne personne. Madame est une très bonne épouse. Elle vous aime tellement. Je devais vous le dire. Madame vous aime tellement. Oui, monsieur. C'est tout? Non, monsieur. Je voulais aussi vous dire que vous êtes une bonne personne, une très gentille personne. Je sais que tout ira bien, tout se passera bien. C'est juste une question de temps. Monsieur, tout ira bien. Je suis très sûr, monsieur. D'accord, merci. Tu peux partir. Merci, monsieur. Brotherhood of the King, I'd like to live again. Kanaya, le temps nous est compté. Le maître ne peut pas attendre. Mais je fais de mon mieux. Ome Kanaya, ton mieux n'est pas suffisant. Est-ce que je vais réellement tout perdre si jamais je ne remplis pas les conditions? Oui, bien sûr. Ome Kanaya, j'ai déjà vu cela arriver. Tu vas tout perdre. Les maisons, les voitures, les entreprises, tous les investissements de ton père te seront retirés, et oui. Par la fraternité. La fraternité donne tout. Et elle reprend tout. Ome Kanaya, ta famille sera sans abri. Sans parler de ce qui t'arrivera.
Oh, maman, tu es là? Oui, comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais bien. Tu vas bien? Je vais bien, maman. C'est moi qui devais te le demander. Tu vas bien? Bien sûr, oui, je vais D'accord. bien. Alors, où est ta femme? Elle n'est pas encore rentrée. As-tu pris quelque chose? Ah, non, non, c'est bon, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, je vais bien. Ça va. Es-tu sûr? Oui, je le suis. Et toi, es-tu sûr que tu vas bien? Je vais bien. 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 De toutes les façons, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi juste, ok? Ça marche. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Ça te convient? Oui. Bien. Bien. C'est super, super. Super. Une grande organisation s'est mise en place et a déclaré. Mais la question est, es-tu prêt à prendre cela? Oui, es-tu prêt à prendre cela? Hein, tu... Et elle a pu découvrir qu'il se cache quelque chose dans la maison. Mais la question est, es-tu prêt à prendre cela? Es-tu prêt? Toi, oui, je m'adresse à toi. Es-tu prêt à prendre cela? Dis-moi, es-tu prêt? Es-tu prêt? Oui, dis-moi, es-tu prêt à prendre cela? Dis-moi. Oui, bien sûr, je le constate. Oui. Tu vas prendre. Bien sûr que je le prendrai aussi. Ah. Ah. Je vais le prendre, oui. Bonsoir, grande sœur. Prends ça. Grande sœur, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? As-tu un enfant? Tu sais quoi faire avec? Grande sœur, c'est un tube de test de grossesse. Je sais. Va faire le test. Va voir si tu es enceinte. Mais grande sœur... Grande sœur, c'est négatif. Puis-je m'en aller maintenant? Victoria, je t'ai demandé d'essayer de tomber enceinte. Père sera très fier de toi où qu'il soit. Arrête de me perdre mon temps. D'accord, grande sœur.
Maman, Adania me persécute pour que je sois enceinte. Quelque chose ne va pas et cela devient incontrôlable. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment pas. Maman, parle-lui, hein? Parle-lui, s'il te plaît. Je l'ai fait. Mais elle insiste que c'est la dernière volonté de ton père. Maman, quelle dernière volonté de papa? Si papa voulait que je me marie et que j'ai des enfants, alors que je suis encore à l'école, il me l'aurait dit avant de mourir. Ah! Ma chère, juste continuons de prier. J'ai déjà tout confié à Dieu. Si Adania a un motif caché, je pense qu'avec le temps, on le saura. Ok. Alors, allons nous apprêter pour le lit. D'accord, maman. Les vies sont comme des rivières. Elles vont là où elles veulent. Et non là où nous voulons qu'elles aillent. La vie et la mort sont identiques. Nous mourrons pour l'être la réincarnation. Car nous sommes tous la fraternité Kenga. Notre grand Dieu a accepté ton sacrifice. Et nous sommes heureux avec toi. Omekanaya, tu peux maintenant présenter ton cas. Tout-puissant. J'ai vraiment fait de mon mieux pour répondre aux exigences. Mais cela n'a pas été facile. S'il vous plaît, existe-t-il une autre option? Le Tout-Puissant ne te parlera pas aujourd'hui. T'es sérieuse? Ça apparaît, ça disparaît. Une minute tu vas bien et la minute d'après tu te comportes de façon bizarre. Crois-moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Je sais. Et grande sœur Adania a refusé de t'emmener à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle ne veut pas que les gens soient au courant de ton état. Ne t'inquiète pas, tu iras bien, d'accord? Ouais, merci. Je sais que depuis que tu as perdu ton travail, tu es déprimée. Ouais. Alors, j'en ai touché quelques mots à mon fiancé à propos. Il m'a dit qu'il t'aiderait à trouver un emploi. Il a beaucoup de contacts. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Je t'en prie, avec plaisir. Merci. Hey, ma fiancée m'a dit que t'as perdu ton emploi et qu'il t'a fallu un autre. Comment tu vas? Je vais te tuer. Alors comme ça, Michael, tu peux... Michael, arrête. Michael, s'il te plaît. Michael, arrête. Michael, je te jure que je vais te tuer. Michael, arrête. Frère, dis-moi, c'est pourquoi on s'est emploi. Bébé. Cinglé. Non. Malade. Attends. Malade. Malade. Chérie. Ne me touche pas.
Malade! Chérie, attends, s'il te plaît. Ne me touche pas! Ai-je fait quelque chose de mal? Il me faut ce boulot, j'ai besoin de travailler. Désolée. Et ne me demande pas de me calmer! Ne me demande pas de me calmer! Mon amour, Biko Sembe, calme-toi. S'il te plaît. Biko. Biko, calme-toi. Non, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si je n'étais pas costaud, mais le mec m'aurait tué. Ne sois pas en colère. C'est évident, ma sécurité n'est plus garantie ici. Comment peux-tu dire ça, hein? Tout ça à cause de ce petit malentendu. Tu appelles ça petite chose? Quand il a failli me tuer? Chérie, je suis désolée. Mais je t'ai déjà expliqué la condition dans laquelle il se retrouve. Oui, tu l'as dit. Mais tu ne m'as pas dit que c'était si sérieux. Tu ne m'as pas dit que c'était si sérieux. Smile, j'ai encore beaucoup à faire de ma vie. Je t'en prie. J'en ai encore beaucoup. Bébé, je t'en prie. Je suis désolée, Biko. Écoute, je comprends ta colère, je comprends. Mais je t'assure que rien ne t'arrivera. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Mais je te le promets, tout ira bien. Mais... ne pensez-vous pas que vous devriez l'amener dans un centre psychiatrique? Au lieu de le laisser ici, il pourrait tuer quelqu'un, tu sais? C'est ma grande sœur. Ma sœur est catégorique. Elle a dit pas d'hôpital. Que puis-je faire? Pourquoi? Je ne sais pas. Quelque chose ne va vraiment pas quelque part. Quelque chose ne va vraiment pas quelque part. Mon petit garçon chéri, hein? Est-ce juste? Si tu donnes à ta mère l'hypertension, seras-tu content? Et ne t'inquiète pas, maman, ne t'en fais pas. Hein? Maman, dans 2 semaines, je viendrai te voir. Maman, ce n'est pas ma faute. J'ai été très occupé. Hein? Écoute, ne refais plus ça, Biko. Maman, comme je te l'ai dit, je serai de retour dans 2 semaines. 2 semaines, je serai de retour. Tu me verras, oui. D'accord, maman. Maman, l'amour. Hey, Gwen, oh, parle avec ta sœur. Tiens, parle-lui. Grand frère. Grand frère. Oui, grand frère, bonsoir. Oui, j'espère que tu m'as gardé de bonnes choses. Bien sûr, je te fais confiance, je sais de quoi tu es capable. C'est ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Je vais montrer à mes amis. Mais oui, ah, tu sais ce que ça veut dire, mon unique frère, mon frère américain. Hey. Ok. Accroche le téléphone, accroche l'euro. Tu gaspilles son crédit. Ok, grand frère, bye. Donne-moi ce téléphone. Raccroche ce téléphone. Maman. Viens plutôt m'aider, le temps presse. 2 semaines? Mais, chérie, ce n'est pas ce qui était prévu. Alors, qu'est-ce qui était prévu? Je pensais que nous étions d'accord, que tu les appelles et que tu ailles les voir demain. Jared, tu en as marre de moi dans cette maison et tu veux que je parte? Mais non. C'est ce que tu veux? Calme-toi. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Pour moi, ça l'est. Je veux dire, c'est évident, tu ne veux pas que je reste ici, alors je partirai. C'est très simple. Cesse de me déranger. Arrête tout ça. Ah! Thank you.
Oh oui, je viens de rentrer dans mon pays pour voir ma fiancée. Évidemment, j'ai presque tout réglé. Sûr, sûr. Alors comment tu vas? Oui. Écoute. Rassure-toi de garder un œil sur tout ce qui se passe là-bas. Et rends-moi compte. Tu m'entends? Rends-moi compte, c'est tout. Sûr, je serai là bientôt. Je te dis, je serai de retour bientôt. Merci. Hein? Cinglé! Je suis désolé. Toi encore? Je suis désolé de ce qui s'est passé. Victoria m'a dit ce qui s'est passé. Et je suis désolé pour ça. Je suis aussi perdu. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis désolé. S'il te plaît, je suis désolé. Frère, c'est dans ma home, toi et moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ignore ce qui m'a pris, tu vois. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. S'il te plaît, je t'en supplie. Mec, je t'en supplie. William. Je m'excuse. Allez, s'il te plaît, pardonne-le, s'il te plaît. Il est vraiment désolé. Michael, tu es désolé, pas vrai? Oui, je suis désolé. Tu vois, il est vraiment désolé, s'il te plaît. Hein? Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Biko. C'est bon. Merci. C'est bon. Je lui pardonne. T'as vraiment besoin d'aide? Oui, je sais. Je comprends que ta femme ait refusé de t'amener à l'hôpital pour des raisons qu'elle connaît bien. Oui, le problème c'est à chaque fois qu'il essaye de quitter la maison, tout revient d'un seul coup. À chaque fois. Dans ce cas, je vais faire venir le docteur ici. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Je vous en prie. Merci. Je t'en prie. Ça va aller. Excuse-moi. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est évident que tu ne connais pas le prix que ton père a payé pour que tu sois riche. Ton père voulait que toi, une femme, que tu le remplaces dans la fraternité. Quelque chose qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de la grande fraternité Ikenga. Chief Ibeto, tu peux maintenant présenter ton cas devant Tout-Puissant. Tout-Puissant, une fois de plus, je viens plaider pour que mon cas soit réexaminé. Je sais que ce que je demande n'a jamais été fait dans cette fraternité. Mais je plaide pour que vous fassiez preuve de clémence. Chief Ibeto a servi la fraternité avec diligence. Sa loyauté n'a jamais été mise en doute. S'il vous plaît, Tout-Puissant, pouvons-nous faire quelque chose? Tu plaides encore, Ibeto. Et encore, il te sera rappelé que, depuis 150 ans, cette fraternité a résisté à l'épreuve du temps, de génération en génération. Aucune femme n'en a jamais fait partie.
Ce que tu demandes est impossible. Quand tu feras le voyage, Ibeto, toutes les richesses qui t'ont été données par la fraternité te seront retirées. S'il vous plaît, Tout-Puissant, je suis prêt à faire de nombreux sacrifices pour que ma fille Omeka Naya prenne ma place et que la richesse ne s'éloigne pas de ma famille. Notre grand Dieu a réexaminé ton cas. Pour que ta demande soit acceptée, une vie doit être arrachée. Es-tu prêt, Ibeto? Oui, je suis prêt. Alors regarde dans la calebasse de vie et de mort pour voir qui est-ce que tu sacrifieras. S'il te plaît, laisse-moi t'amener à l'hôpital. Est-ce que tu ne vois pas? La maladie devient incontrôlable. Non, pas à l'hôpital. Pas d'hôpital? D'accord, ok. Pouvons-nous quand même inviter le docteur à la maison? Pas de docteur? Pas de docteur? Alors, que veux-tu que je fasse? Ne vois-tu pas que ça devient critique? S'il te plaît, parle-moi. Vanessa. Oui, mon amour. Victoria. Qui va pas? Quand vous me laissez, j'aimerais parler avec Omeka Naya tout seul. Te laisser dans cette condition? Non, s'il te plaît. Faites ce que j'ai dit. Ne t'inquiète pas, ça ira. Ne t'inquiète pas, ok? Je t'ai appelé. Yeux perçant comme ton père. Je n'ai pas de fils, mais je suis heureux de t'avoir. Mais mes amis viendront et t'amèneront quelque part. S'il te plaît, va avec eux. Je ne veux pas que tu paniques. Ils ne te feront aucun... mal. J'ai fait ceci pour vous. Je t'aime. Je le ferai toujours. Merci beaucoup, père. Je Merci, père.
Oh, père. 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 Sacrifier sa propre vie pour que toi, tu ne connaisses jamais la souffrance. Donc ne permets pas que son sacrifice soit vain. Omeka Naya, fais ce que notre grand maître t'a demandé de faire. Envoyez-moi la prochaine visite. Pourquoi ne répond-elle pas? Quelque chose ne va-t-il pas? C'est étrange. Oh, et ma femme. D'où viens-tu?
Je t'ai posé la question. Où est-ce que tu viens? À une réunion d'affaires. Une réunion d'affaires avec qui? Est-ce que tu me trompes? Tu me connais depuis des années. Je ne pourrai jamais te tromper. Que se passe-t-il? Depuis l'enterrement de ton père, tu te comportes étrangement. Que fais-tu avec les amis de ton père? Est-ce que ton père était un... Jamais. Ne dis jamais du mal de mon père. Jamais. Jamais! Ça, c'est pas toi. Tu ne pourrais pas comprendre. Eh bien, alors fais-moi comprendre. Il y a des choses qu'il vaudrait mieux laisser telles qu'elles sont. Sache juste ceci. Tout ce que je le fais pour nous. Je t'aime, Michael. Ah, comment faire pour célébrer un mariage non planifié? Toute chose a une procédure. En plus, je ne suis pas du tout prête. J'ai au moins besoin de mes filles d'honneur. Toutes mes amies doivent être présentes pour mon mariage traditionnel. D'accord, comment faire pour intégrer toute la famille de William? William, tu peux inviter tes oncles. Je te donnerai beaucoup d'argent pour t'occuper de tes oncles. Et en plus, nous sommes au 21e siècle. Et le mariage implique juste le couple. Maman, allez, dis quelque chose. Adania. Oui, maman. Nous avons des traditions et elles doivent être respectées. Suivons la procédure normale d'un mariage. Maman. Mm-hmm. Maman, mais de quel autre mariage parles-tu? Ces deux-là sont des adultes et ils sont amoureux. Oui, nous sommes amoureux. J'aime ma copine tellement et je suis prête à tout pour la rendre heureuse. Exactement. Maman. Rappelle-toi, c'était la dernière volonté de notre père. Je m'occuperai de tout. Ne t'en fais pas. Fais-le pour moi et pour notre défunt père. Thank you.
Dans Psaume 35, verset 1, ô Éternel. Défends-moi contre mes adversaires, Seigneur, et combats tous ceux qui me combattent. Oui. Seigneur, nous te demandons d'être à nos côtés, Seigneur. Oui. Nous te demandons d'être à nos côtés dans cette bataille. Dans cette bataille contre le mal. Dans cette bataille contre les ténèbres. Éternel Dieu, nous te demandons d'être avec nous. Oh Dieu, viens avec ta puissance, Seigneur Dieu. Viens avec ton éclair, Seigneur. Viens avec ton armée, ta puissante armée, Père Éternel, et combat pour nous, oh mon Amen. Dieu. Prends cette bataille et combat ce mal qui convoite cette maison, Seigneur. Combat le mal qui rôde dans cette famille. Combat les ténèbres qui s'abattent sur cette famille, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as dit demander et l'on vous donnera. Oui. Tu as dit frapper et l'on vous ouvrira. Oui. Éternel, je demande, mon roi, je demande que tu viennes dans cette bataille avec nous, oh Dieu, et que tu prennes contrôle, oui, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur, et combat cet esprit de ténèbres qui est dans cette maison. Combat l'esprit de mal qui rôde ici, Père, peu importe où ils sont. Peu importe où, peu importe comment ils surveillent nos mouvements. Peu importe le miroir qu'ils utilisent, oh mon Dieu, ce miroir se brisera. Amen. Seigneur, ici c'est la maison de la lumière. Oui. C'est ta maison, Seigneur Dieu. Prends contrôle, Seigneur Dieu. Chasse les ténèbres, Seigneur. Éloigne le mal de nous, Seigneur oui. Dieu. Renvoie-les loin, très loin de cette famille, Père éternel.
Père éternel, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir répondu à notre prière, Seigneur. Amen. Parce que je sais que tu nous as répondu. Je sais que nous sommes couverts par ton sang, Seigneur Dieu. Je sais que nous sommes sous ta protection, Seigneur Dieu. Alors je te rends toute la gloire. Je te donne toutes les louanges. J'adore ton nom, roi de gloire. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Passe-t-il? Tata Victoria et tonton William ne sont pas à la maison. Je veux dire. Arrêtez la musique! Arrêtez! Qu'est-ce que tu as dit? Tonton William et Tata Victoria ne se couvrent nulle part. Quoi? Quoi? Victoria! Ça ne peut pas être réel. Ce n'est pas possible. Victoria! Mère! As-tu vu Williams? Je les ai... As-tu vu Victoria? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Oui, je les ai vus à l'extérieur. Non, ils ne sont pas à l'extérieur. Oh! Où sont-ils? Ok, vérifie dans les chambres. Mère, je sors de leur chambre. Je sors de leur chambre. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ils ne sont pas là, mère. Vérifie dans le salon principal. Mère, ils ne sont pas là. Je les ai pourtant vus à l'extérieur. Oh, Timo, tu ne peux pas me faire ça. Victoria! Ah! Ah! Hey! Qui est cet homme? Vous imaginez? Enchaînez-le! Enchaînez-le! Si l'argent est le problème, alors prends l'argent et arrête de déranger. Il y a une option. Ta sœur cadette sera aussi enceinte. Elle a un fiancé. Tout ce que tu auras à faire, c'est de le faire entrer à la maison. Quand il y sera, emmène-le dans notre temple. Quelque chose me dit que tu as quelque chose à voir dans cette disparition soudaine de Williams et Victoria. Tu m'accuses? Comment peux-tu dire de telles choses? Et pour quelle raison le ferais-je? Pourquoi essaies-tu de dire que tu ne faisais pas partie du plan? Bien sûr. Écoute, j'essaye d'appeler son numéro depuis, mais ça ne passe pas. D'accord, une minute. Je vais réessayer. Je ne sais pas.
Ça ne passe toujours pas. Écoute, Adania, dois-je appeler la police? Pas de police! Que se passe-t-il? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je t'ai prévenu de ce mariage traditionnel arrangé, mais tu ne m'as pas écouté. Parle-moi. Que se passe-t-il? Je vais les retrouver. Et même si ça me coûtera la vie, ça m'est égal. Je vais les retrouver. Wala yo zoye, oli kuku jo mane mokolo yo zoye. Ogoli kuku jewa, omekwa la yo zoye. Omi kuku je mane mokolo yo zoye. Ogomigu, meja omekwa la yo zoye. Amigu, kuje mane mokolo yo zoye. Ogomigu kunesia. Hey! Maman! Mon fils, c'est bien toi. Oui, maman. Bam! Maman. C'est vraiment toi. Allez. Toi en chair et en os. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Merci, maman. Ne. Maman. Non. Oh, merci. Tu es la bienvenue. Merci, maman. Hey! Du jamais vu dans ce village. Le mariage ne se fait pas ainsi. Pas du tout. Hein? Ça s'appelle kidnapping en plein jour. Bam. Le mariage ne se fait pas ainsi. C'est quelque chose qui se prépare étape par étape. Étape par étape, c'est tout un processus. Hé hey! Incroyable. Maman, nous avons fait un très long voyage et nous avons décidé de passer la nuit à l'hôtel et venir ici ce matin. Hé hey! Namos Gom, Akosina, j'ai assez entendu. Ma belle-fille. Maman. Tu es la bienvenue. Merci. Tu merci, es la bienvenue. Maman. Hé hey! Ici, c'est ta maison. Est-ce que tu entends? Merci. Hein? Les yeux de l'ennemi ne te verront jamais. Amen. Ils ne fouleront jamais le sol de ma cour. Amen. Tout est qui convoitera cette maison deviendra aveugle. Amen. Aucun mauvais œil ne doit entrer dans ma cour. Amen. Tout mauvais œil qui voudrait entrer dans ma cour, hein, sera étranglé à mort. Étranglé, étranglé, étranglé à mort. Étranglé. Maman, t'es amusant. Hey, mes enfants, ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'une bonne nourriture. Hein? Un bon mets traditionnel. Bien fait. Mm-hmm. Tu m'entends? Mm-hmm. Hein? Un bon mets traditionnel, vous allez apprécier. Maman, hein? Tu connais mon préféré. Bien sûr que ta mère connaît. Avec des lignames. Hey. Bien, bien pilées. Oh, oh, oh. Des boules bien, bien formées. Hein? C'est ce que je ferai. D'accord, maman. Mm-hmm. D'accord, maman. Tu es la bienvenue. Oh. Non, Wooly, je vais à la cuisine. Tu vois ma mère? Ta mère est vraiment hilarante. Oh, mon Dieu. Oui, Udo. Je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Je viens. D'accord. Ta copine est très belle. Merci. Merci, allez. Bon goût. Quitte là. Apporte les sacs à l'intérieur. Tata, bienvenue. Merci, Luca, merci. J'ai du goût. Allons-y. Oh mon Dieu. Allons à l'intérieur. Ah, cette fille. Mm-hmm.
Maman? Non. Tu as demandé après moi? Oui, mon fils. Non. Maman? J'ai fait un très mauvais rêve. Et je ne suis pas à l'aise avec ça. Pas du tout. Quel est ce rêve? Je pressens des ennuis. Oui, il y a quelque chose à propos de cette famille. Parce que dans ce rêve, j'ai vu cette famille dans une puissante secte. Oui. Ah, mon fils, ce que j'ai vu dans ce rêve, ces gens ne plaisantent pas haut. Ils ne plaisantent pas du tout. Oui. Ils appartiennent à une secte très, très, très puissante. C'est ce que j'ai vu dans le rêve. Vraiment? Oui. Oui, mon fils. Tu aurais dû poser des questions avant de t'engager avec leur fille dans cette relation. Tu aurais dû. Je ne te demande pas de la quitter. Mais si tu peux le faire, quitte-la. Maman, je ne peux pas la quitter. Pas maintenant. Je l'aime. Ah, je ne peux pas. D'accord. Ok. Qu'en est-il de tes affaires là-bas en Amérique? Tes partenaires d'affaires, tu leur manqueras. Je ne dis pas que tu dois partir. Je ne te chasse pas. Je suggère juste que tu puisses contrôler tes affaires. C'est tout. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. D'accord. Si tu le dis, ne quitte donc pas cette maison pour aucune raison. Ou peu importe. Reste à l'intérieur. S'il te plaît, mon fils. Et reste dans la prière. Oh, tu sais, mes rêves se réalisent toujours. Hein? Fils, tu dois donc faire attention et rester dans la prière. C'est compris, maman. Je n'irai nulle part, je resterai ici. Okay. Je vais à l'intérieur. Bia, Bia, attends. Assieds-toi. Ngoda, donne-moi tes mains. Ferme tes yeux. Au nom de Jésus. Mais réponds. Amen. Amen, au nom de Jésus. Amen. Au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun mal n'atteindra mon fils. Notre maison est couverte par le sang de Jésus-Christ. Quelque chose me dit que ce n'est pas encore fini. La guerre approche. Je n'ai aucune idée d'où ils peuvent se trouver. J'ai déjà cherché partout. Ils ne sont nulle part. Tout puissant, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes celui qui sait tout. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu es responsable des choix que tu fais. Je ne peux pas t'aider. Et aussi, ta sœur est enceinte d'un enfant mâle. Et il n'a plus assez de temps. Es-tu sérieuse? Oui. Et tu ne t'es jamais souciée de me le dire? Bébé, je suis désolée. Je ne voulais pas le dire parce que j'avais peur. Tu connais ma sœur. Elle n'a pas cessé de me harceler pour que je tombe enceinte et... Je n'ai rien voulu dire tant qu'on était à la maison. Parce que tu sais, les murs ont des oreilles. Tu comprends? Viens. Viens, viens là. Waouh. Et ta mère, lui en as-tu parlé? Non, pas encore. C'est juste entre toi et moi. Alors, gardons-le ainsi. Bien sûr, nous devons le garder ainsi. Parce que...
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ma grande sœur est si intéressée par ma grossesse. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais une chose est sûre, ce n'est pas pour une bonne raison. As-tu déjà été à Bondoska? Non, monsieur. Oh, tu devrais. Sur le chemin du Bondoska, nous avons traversé le Ghana. Nous avons rejoint les États-Unis d'Amérique et nous avons atterri au Togo. Durant notre escale au Togo, nous sommes connectés à une ville appelée Guo, Liberia. J'ai été pleinement et chaleureusement accueilli par les hommes de Timba et Galiba. Ce n'est pas vrai. Oh, Seigneur Jésus, j'ai été accueilli. Merci beaucoup. Oui. J'ai été accueilli sur le sol libérien par le président américain. Oh, Seigneur Jésus. À bord du Boeing 001-1-2-2-3-3-4-4-0-0-0, nous avons décollé et atterri à destination. Oh mon Dieu! Quand nous avons finalement atterri et connecté au Togo, les gens se filmaient avec moi, célébraient avec moi. Les gens se réjouissaient. Ils étaient heureux. Ils savaient que la grande célébrité avait atterri. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'endroit était vraiment magnifique. Il fallait voir partout. Tu sais, toutes les villes étaient marquées États-Unis d'Amérique. Tu n'étais pas allé? Oh, la ville d'Ouganda en Amérique. La ville de Togo en Amérique. La ville de Slovénie en Amérique. La ville de Liberia en Amérique. Ce sont toutes de belles villes aux États-Unis d'Amérique. D'accord, s'il te plaît. D'accord, il faut essayer. J'ai plus envie. Un peu. Un peu. Un peu. Bienvenue, ma. Bienvenue, bienvenue. A-t-il mangé quelque chose? Il a mangé un tout petit peu. Oh, mon avion a-t-il atterri? Écoute, j'ai oublié de te dire que quand mon avion a atterri, nous avons pris un autre vol. Et ce vol était apprécié par tout le monde entier. Les hommes de Timba et Galiba sont entrés dans ce vol en jubilant. Et nous avons décollé avec le chef à bord, Adania. Et je lui ai dit, déposez-moi ici à Adania. J'ai demandé à Adania de me déposer, mais elle a refusé. Elle me conduisait vers une destination que je ne connaissais pas. Des hommes chantaient, riaient, jubilaient partout. Dites à Adania de me déposer ici. Dites à Adania de me déposer. Madame, connaissez-vous où se trouve votre fille en ce moment? Oui, pasteur. Ne le révélez à personne, encore moins à Adania. L'Esprit Saint m'a révélé qu'elle avait été initiée à cette fraternité. Quoi? Adania? Oui. Et je crois fermement que l'état de son mari est lié à cette sécurité. Jésus! Comment? Mais je sais que le Dieu que nous servons ne nous laissera pas dans la honte. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il mènera nos combats et que nous aurons la paix. Et cette paix, vous et votre famille, vous devez en jouir au nom de Jésus. Amen. Aucun mauvais œil ne vous verra. Le Seigneur continuera à guider vos pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne pense pas que nous puissions continuer à rester ici. Alors, où suggères-tu qu'on aille? Parce que... moi, je ne connais aucun endroit qui soit sûr pour nous. Je n'en ai aucune idée. J'ai certains amis au nord. Au nord? Ah bah, Nord, non, s'il te plaît, oublie cette idée.
Dans l'état du sud. J'ai un autre très bon ami là-bas. Je pense que ça ira. Mais, J'ai une amie. Oh. Qui est-ce? Ta mère. Oh. Allô, maman? Bon après-midi. Nous allons bien. Oui, maman, il est là. Merci beaucoup, maman. Vraiment? Oh, mon Dieu! Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Dieu te bénira, merci. Oui, maman, nous ferons attention. Je t'aime. À plus. Oh, maman vient d'envoyer de l'argent sur mon compte. Ah, waouh. C'est très gentil de sa part. Oui, waouh. Elle sait que nous sommes ici. Oui, je le lui ai dit. Mais on était d'accord de ne laisser personne savoir que nous sommes ici. Oui, je sais qu'on l'était, mais... Bébé, il s'agit de ma mère. Si je ne lui dis pas où je suis, elle sera inquiète. Alors, où allons-nous maintenant? Les règles de la fraternité n'ont jamais été brisées. Nous sommes responsables des choix que nous faisons. Mais par considération de son défunt père, Chifibeto, qui a été un disciple fidèle de cette fraternité en une décennie. S'il vous plaît, Tout-Puissant, assistez-la. Ta mère fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu n'entres pas en possession de tes biens. Regarde dans la calebasse de vie et de mort. Tu verras où se cache ta sœur. Pour que tu y ailles, il te faudra une protection. Mère, reste en dehors de ça. Victoria, viens avec moi. Je ne vais nulle part. J'ai dit, viens avec moi. Adania, arrête ça. Mère, j'ai dit, reste à l'écart de ça. Adania. Non, maman. Je t'ai prévenue de rester loin des gens de ton père. Ils sont aussi ma famille. Père m'a nommé Omekanaya. Ça veut dire... Je dois garder les parts de mon père. Les parts de ton père étaient mal. C'était un bien mal acquis. Alors je le suis. Je ne vais nulle part. Je ne veux pas y aller. C'est déjà trop tard. Tu portes un enfant mal dans ton ventre. Le sang du mal coule dans tes veines. Tu dois être présenté au temple d'Ikenga. Afin que ta famille conserve les richesses de ton père. Victoria. Je le dirai pour la dernière fois. Si tu refuses, il prendra le dessus et cela te coûtera ta vie.
Le diable est un menteur, il essaye de faire peur. Amen. Parce que le Dieu que nous servons combat pour nous au nom de Jésus-Christ. Oui. Il est écrit dans ta Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Il est écrit qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vous, hypocrites, que vous faites vous-même appeler homme de Dieu, dégagez de mon chemin. Le Dieu qui a eu pitié de ça aura pitié de nous. Car il est miséricordieux. Lui qui a brisé l'arche et s'est enfui avec. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La terre a été créée par notre Dieu. Tout ceci appartient à Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y se trouve. Cet enfant n'est pas le vôtre et ne le sera jamais. Ma patience a des limites. Les vies sont comme des rivières. Elles vont là où elles veulent. Nous mourrons pour les incarnations. Car nous sommes tous la fraternité unitaire. Nous sommes la fraternité unie du Kenga. Nous partons pour combattre notre jour. 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 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. So many girls, she stands in the midst of men and speak. Her eyes are blazing like a fire. She challenges human spirit. She's never afraid. Oh, make a man. Thank you.
Jamaïque.